Je voyage plus loin que les jungles de mon enfance. Plus loin que l'imagination. Mon savoir est devenu immense. Les gens, ils pensent que j'ai été banni. Chassé jusqu'à la fin de mes jours. Ils disent que je brave les esprits, mais moi je dis que non. J'accompagne les esprits. Ils m'ont montré à moi seul que là où est le feu du ciel, la fin commence. Ils me disent qu'il faut l'arrêter. Je vis pour servir les esprits, alors je vais où ils me disent d'aller. Personne d'autre que moi ne peut répondre à leur appel. Quelle belle introduction. Salut tout le monde, c'est... Mais hey moi je squatte ta vidéo, moi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah je sais pas, il y avait une porte ouverte. Il y avait une porte ouverte. Je suis rentré. Et tu rejoins. Bah oui, il y avait un passage secret là, regarde. Il y a un passage secret, je suis passé par ici. On est sur des infernos. Salut tout le monde, c'est Paganman et... Iriusa. Alors qu'est-ce qu'on... On se retrouve pour un truc assez particulier, une première sur ma chaîne. Vous, vous l'avez demandé, avec plein de votes, que je lui pique les fesses avec ma fléchette. Ah oui. Oui, vas-y, je te pique les fesses. Regarde, j'envoie Let's play sur Diablo 3. Et j'ai dit que je le ferais pas seul, je le ferais avec un expert en la matière, monsieur Iriusa. Iriusa, qui fait des let's play... qui est un expert en la matière, présente-toi à mon public. Bon, pour ceux qui me connaissent pas, je suis let's player, donc je fais des vidéos, je commente dessus, et puis les gens parfois ils commentent et puis ils rigolent parfois aussi, c'est assez sympa, c'est convivial. C'est très sympathique, et en plus Iriusa, mais... c'est le seul à faire des trickshots sur... Sur Zelda. Voilà, et oui, sur Zelda. Le précurseur. Donc bon, écoute, explique le principe d'un let's play, parce que moi je... C'est toi l'expert, donc voilà. Le let's voilà, play, c'est buter les zombies. C'est buter les zombies, mettre des grosses ondes de choc comme ça, là. Des grosses ondes de choc. Vas-y, là, je crache mes traits vertes. Qu'est-ce que c'est? C'est faire des trick shots ou plutôt... Attends, je vais en faire un. Vas-y. Zombie. Je te regarde. Tu me regardes, je tourne en rond, trickshot. Hop, voilà. J'avais envoyé ça à une chaîne assez intéressante. Bah, je vais expliquer un peu ce que c'est le let's play. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est jouer à un jeu et commenter, passer un bon moment. C'est juste de... Ça peut vous aider également si vous êtes coincé dans un jeu ou revivre des moments que vous n'avez jamais... ou découvrir tout simplement un jeu. Vous pouvez passer des moments sympathiques avec des gens. Ouais, en l'occurrence, on le fait à deux. J'espère que vous passerez un bon moment avec nous deux, en tout cas. Oh oui, totalement. Alors, ramasse les gourdes, Pagan. Vas-y, les gourdes rouges. Ah oui, il y a le capitaine. Ah oui, il faut dire notre pseudo, là. Hey, tu t'appelles... je m'appelle Connard le Barbare. Connard le Barbare. Et moi, je m'appelle Captain Kebab. Donc voilà, j'ai un féticheur et toi, t'as... Donc on va refaire, en fait, l'aventure normale, hein, comme ça, pour le fun. Oui, hein. Bah oui, voilà. Et donc j'ai recréé une petite classe féticheur, donc j'ai jamais joué un féticheur, toi t'as jamais joué un barbare. J'ai jamais joué barbare non plus, donc du coup c'est... On va découvrir ensemble tout au long de ces aventures extraordinaires. Oh oui. Donc est-ce qu'on a besoin de présenter Diablo 3? Non, je pense pas, c'est une licence phare de Blizzard qu'on attendait depuis quand même un petit moment. Hein, quand même, du 12 ans. Un petit moment. Tu avais quel âge? Genre, oula, oh là là. J'avais 10 ans. Une drôle de tête quand même, mon féticheur, hein. Il a des boucles d'oreilles et tout.
Ah, tu es magnifique, Pagan. Quand j'appuie sur Z... Oh non ! Ah, des zombies ! Non, des zombies, Pagan ! Oh mon dieu, il faut leur tirer dessus. Tu t'as fait du mauvais côté, en plus. Vas-y, envoie l'ordre des longues. Oh, on est déjà niveau 2. On est niveau 2, Pagan. Oh là là. On a nouvelle compétence. Nouvelle compétence, c'est magnifique. C'est quoi ta nouvelle compétence, toi ? Alors, poigne... Ouais, c'est ça, moi. Poigne de la mort. Coup de marteau, mec ! Alors, attends. Coup de marteau. J'ai fléchette empoisonnée. Vous faites sortir les mains des morts du sol, elles réduisent la vitesse de déplacement des ennemis de 60%. Tu fais des attouchements ? Non. Tu fais des attouchements, Pagan. Je fais des attouchements sur Léa. Ok, alors. Oh mon dieu, il y a des modes zombies ! Il y a des attouchements sur Léa. Donc Léa, c'est une PNJ hein, du jeu. Hein. Ouais, c'est... Donc on va pas... On va découvrir le jeu. On va comme découvrir, si, voilà. On va pas spoiler. On va pas spoiler, dire. On va faire comme si on connaissait pas. Donc là, il y a un livre. Ah, oh, qu'il faut prendre, il y a plein d'expériences. Alors, un truc qui est assez, enfin, qu'on va pas faire, c'est qu'on va pas vous lire les dialogues. Si jamais vous voulez lire vraiment les dialogues et bien suivre l'histoire, mettez pause sur la vidéo où il disait, et puis, parce que sinon, on va vraiment pas s'en sortir. Je pense qu'on laissera les cinématiques entre actes. Ouais, on va laisser comme on a laissé la cinématique du début, là. D'intro, avec, voilà. C'est très histoire. Important. Et ça résume assez bien l'histoire, on va dire. Ah oui, c'est sûr. Bon, faut dire que... C'est pas une histoire super poussée, méga poussée, hein, on reste dans du série B, hein, War Z. Ouais, voilà, exactement. Il ouais, y a le Captain, c'est mon cousin. Captain Captain Romorf. Romorf, oh mon dieu. Ah mais j'étais en train de passer les cinématiques, oups. Je pensais pas aux gens, je... Oh Pagan, il faut faire des coups de marteau. Vas-y, hein, je lance ma merde verte, là. Fais des attouchements. Moi, je fais des coups de marteau. Ah oui, les attouchements. Je fais des attouchements à l'air. Ah, j'ai déjà un pantalon. Je vais habiller mon personnage. Aussi. Moi aussi, j'ai un pantalon. T'as un pantalon ? Je vais le mettre. Ah oui, on peut mettre les ailes, Pagan ! Ah oui, les ailes ! On va voler ! Faut qu'on montre ça ! Faut montrer... Donc, les ailes, c'est seulement disponible dans l'édition collector, hein, parce que je... Exactement, si je ça veut dire qu'on est des... Et aussi les peintures, hein. On peut peindre le personnage, donc je vais le peindre en noir. Peut-être, moi, je le peins en blanc. Je en suis blanc. Le guerrier blanc. Moi, je suis le guerrier noir. Ah, attention, des zombies contre des zombies. Ah, attention, il y a un gros zombie là. Donc on est en mode normal, on fait pas de dégâts. Hein, donc... Ouais, y a... c'est vraiment facile. Le bien mode entendu. Normal, c'est vraiment pour découvrir le jeu. Découvrir ça n'a jamais jeu. Été le... Faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de tests qui ont dit que le jeu se finit en une dizaine d'heures alors que c'est pas vrai. Non. En 10 heures, vous pouvez faire le mode normal très facilement. Mais le challenge vient après le mode cauchemar et le mode enfer et surtout le mode Armageddon qui est totalement infaisable, faut dire ce qu'il c'est est. C'est bien connu, hein, c'est bien connu, Diablo, ce n'est pas le mode normal, c'est le reste. Donc hop. Je pense que les gens ils ont lu, donc il y a une autre petite histoire qui se passe. Donc des zombies contre des zombies, hein, donc avec bah une féticheur, oui. je retourne la situation. Hein. À notre avantage, on va aller voir ce qu'il y a dans cette cave, parce que dans Diablo, comme dans Diablo 2, il y a des passages secrets. Il y a des passages secrets, on peut péter les décors aussi, ça c'est assez stylé. Ouais, ça c'est sûr, c'est une grande nouveauté, il y a un gros moteur physique qui a été... Ouais, moteur ad hoc. Ouais, ah bon, c'est le moteur ad hoc. Ouais, c'est le moteur Avoc qui... Bah, ah bah c'est le même cas, moteur annoncé... que... Enfin, même moteur Ils avaient annoncé Avoc pendant un moment, donc je pense que... Qu'ils sont restés je là-dessus. Je pense qu'ils ont pas changé. Faut savoir que ceux qui connaissent Diablo 2, quelques années après Lord of Destruction, il y avait une espèce de beaucoup de tripotés de screenshots de Diablo 3. Ouais, mais c'était le même moteur. Le même voilà, moteur, exactement, sur le même moteur que Diablo 2. Et finalement, ils ont bien fait d'attendre, ah à oui. mon avis, ça, c'est et sûr. De pas le sortir. Le résultat... Graphiquement, c'est vraiment un très bon univers. On allait cracher dessus parce que c'était limite orienté cartoon, mais les prochains niveaux, vous allez voir que ça en met plein les yeux. Oh, un autre passage secret. Une grotte. T'as encore tes ailes. Mon Dieu, il y a des clochards ici. Il y a des clochards partout. Ils ont laissé des attends, j'ai besoin d'argent là. J'ai... Ah, moi j'ai une tunique en étoffe. Mais il est en train de manger, le pauvre. Le villageois, il est en train de manger. Ah, je mets ma tunique en étoffe. Voilà, j'ai une. Oh, je suis alors, sexy. J'ai un bouclier, c'est beau. Ah, un bouclier. Donc là, je crois que je vais jouer avec. Ça deux fait armes. Bizarre de rejouer en normal. On a l'impression que les gens font rien du tout. Ils sont très très lents. Hein. Y a rien là. C'est très bug. C'est bloqué. Donc faut, en général, un let's play, enfin un épisode, ça dure combien de temps, monsieur Ryuza l'expert ? Bah, entre 20 et 30 minutes, je trouve que c'est la longueur parfaite. Après trop, peut-être que vous allez regarder en plusieurs fois, et c'est peut-être pas pratique. Je pense que... Je pense qu'avec des fous, avec des fous comme nous, les 30 minutes se verront passer comme une lettre à la poste. J'espère. On l'espère, hein, franchement, que vous allez passer un agréable moment.
Disons que c'est une nouvelle série. Les retours hein sur, on sur fait chaîne, des allers-retours. Hein ah oui, oh, des allers-retours. Allez. Viens. On l'a déjà visité, mais on revient. Attends. Attends, j'ai peut-être oublié un truc. Mais attends, il y a des branches d'arbres. Ah, il y a des branches d'arbres. Oh mon Dieu. Magnifique, il y a de la pluie. Attends, tu peux pas passer, il y a des mains. Ah, oh, je vais me faire toucher. Non mais c'est censuré, attention les enfants. Attention les enfants. Et en plus, on filme le soir. Oh, la nuit, c'est terrible. Ah, mais terrible. C'est pas mal, les mains, là. En plus, ouais, ça, ah, il manque plus que Michael Jackson, hein. Les petits enfants. On peut faire un remix de trailer. Donc là, bah, comme dans tous les Diablos, il y a des quêtes annexes, hein. Oui, qui nous permet, oui, oui, oui. Qui nous permet d'XP et de level up. Et surtout, vous pouvez choisir d'ignorer les. Alors, on appelle ça des événements dans cette version. Journal du voyageur. Niveau 3. On appelle ça des événements dans ce Diablo. Alors avant, c'était des caves un peu aléatoires. Il y a moins de gestion d'aléatoire quand même, mais ils ont quand même gardé ce aspect grotte aléatoire. Donc vous n'avez pas tout le temps les mêmes grottes quand vous relancez le jeu. Oh mon Dieu, je peux lancer des araignées. Ah vas-y, lance-moi des araignées. Oh tiens, je vais te lancer des araignées. Des veuves noires. Ah, ah oui. Cette compétence n'est pas prête. Pour l'instant, je te balance des zombies. Bon, d'accord. J'ai un petit attouchement. Je vais. Oh mon Dieu. Ah, j'ai plein d'araignées. Oh, je te balance des jarres. Je sais pas d'où il les sort, les jarres, mais bon. Il est allé chez Ikea, je sais pas. Alors, t'imagines s'il balance des rideaux. Hein. Oh putain, mais c'est totalement dégueulasse. C'est une private joke. Ah! Oh, il y a une mer de misère. Une mer de misère. Donc, il faut détruire les trois mers de misère pour accomplir la petite fête. Hop là. J'adore ce coup de marteau, c'est n'importe quoi. Moi, je vais garder mes fléchettes. Je préfère mes fléchettes. Ça fait beaucoup plus mal. En fait, les araignées, c'est bien quand on est un peu en mode. On se prend plein de dégâts. Il faut un peu arrêter arrêter l'hémorragie. Il faut stopper le rush. Imaginez-vous, on est sur DOS 2, il y a un rush B. Et on stoppe le rush avec des araignées. C'est stop rush. Voilà, c'est stop rush. C'est exactement ça. Là, il n'y a pas de passage secret. C'est une grosse moque d'araignée. Non, il n'y a pas de passage d'araignée. Parce qu'il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Et oui, il n'y a pas de lumière. Bah oui, il faut faire genre qu'on ne connaît pas. Quoi. Donc, voilà. Bah oui. Oh, comme elle a giclé. Mais t'as pas honte. Ah bah oui, moi je mets un coup de marteau, ça rigole pas du tout hein. Ça rigole pas du tout. Ah y'a un mec qui est mort là. Oh no. Allez, encore un coup d'araignée. Donc la particularité dans la série des Diablos, c'est que les niveaux sont gérés aléatoirement. Donc on retrouve jamais les mêmes ennemis, les mêmes champions, les mêmes grottes. Des fois des grottes sont assez détruites. Ouais, ouais. Pas au même emplacement. Pas au même emplacement. Et ce qui prouve que niveau rejouabilité, c'est très 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 je crois non très très grand. Bon, par contre il y a moins cette gestion avant quand même il y avait la la topographie de la map qui était un peu différente. Maintenant ça reste quand même globalement la même l'overworld, tu vois ce que je veux dire. J'ai du mal à m'expliquer mais je pense que les gens vont comprendre. On reste toujours sur la même map mais il y a des trucs différents à chaque fois. Dans Diablo 2, c'était souvent, par exemple, je me rappelle qu'au début, soit tu pouvais sortir en haut à droite, ou à gauche, en droite, en bas. C'était assez différent dans ce truc. T'étais limite perturbé. Ouais, un peu, ouais. Ça déroutait un petit peu. C'est vrai que maintenant, on garde ce truc de toujours la même chose. Arrives-tu, Pagan? Je ne te vois pas, ça y est. Ah oui, je suis là. Oh, on a nos ailes sur Léa. Attends, Léa, ne bouge pas. Oh, retouchement. Oh, regarde. Oh, là, oh Léa, toujours en train de se faire retoucher. Elle a balancé une fléchette. Fléchette soporifique. Oh. Petit somnifère, alors, du coup, comme ça. Petit somnifère à. Faire des trucs un peu. Puis, à l'heure, nous faisons ce let's play à minuit 15. Nous sommes totalement fous. C'est donc, okay, on une prendre. Grande nouveauté dans Diablo 3. Il y a l'heure. Ah, on va toucher les corps des miliciens, ouais, on sait jamais. Des miliciens. Ah. Donc, bon. On va pas dire qu'on va rusher, on va faire entre les deux, hein, faire. Ouais, on va s'amuser en fait. Hein. Voilà, c'est l'essentiel. On n'a pas de but en début de vidéo, on dit pas on doit arriver on là. Est gelé on faire... Il fait froid. Ah, on est gelé, Pagan. Il fait tout froid. C'est le pôle Nord. C'est le pôle Nord. Mais regarde, en même temps, on a rien sur le dos. j'ai froid. Oh putain, il me fait mal, bordel. Bon, du coup, je vais lui mettre des coups de marteau. Ouais. Hein. Alors, lui, c'est l'ex-capitaine du kebab, donc voilà. C'est mon cousin.
Capitaine Dakla. Oui, parce que mon personnage s'appelle Captain Kebab. Et, bah oui. Et toi, c'est... Toi, c'est... Bah, c'est Connard le Barbare. Connard le Barbare. En référence à Conan, bien sûr. Ouais, bien sûr. Donc, il va falloir que je joue avec une épée à deux mains. Épée à deux mains. Eh oui. J'ai pas le droit de jouer autrement qu'avec une épée à deux mains. Alors, est-ce que ça je vais éteindre mon stuff. Oh oui, éteindre mon stuff. Tiens, j'ai un pantalon, si tu veux, qui régène un point de vie par seconde. C'est super génial pour toi. Putain. Ah merde, j'ai un peu passé les dialogues. Il m'est utile. Il m'est utile. Eh ben voilà, maintenant tu as un pantalon. Voilà, j'ai passé les dialogues sans faire exprès, c'est l'habitude de Rocher. Oui. Ce qu'elle nous dit juste, en fait, c'est qu'il va falloir qu'on elle reste ici et qu'on doit aller chercher d'autres trucs, nous. Oui, continuer vers la cathédrale, on doit aller chercher... Exactement. L'oncle Descartes. Donc, oui, le fameux Descartes Kane. Descartes Kane qui nous poursuit depuis les trois épisodes. Oui. dans le premier, il n'était pas très bavard. Mais là, dans le deuxième, il est un peu plus bavard, et dans le troisième, il est très bavard. Dans le deuxième, on l'a sauvé de la mort, on peut dire ça comme ouais. ça quand même. Et là, en fait, c'est comme Peach, c'est comme dans Mario, quoi. On doit toujours aller le sauver. Est-ce qu'il est dans un autre château à chaque fois? Peut-être pas. Peut-être pas. Toujours un autre chapeau. Un autre chapeau, château. Chapeau, chapeau. Donc, bien sûr, on a la minimap à... Moi, dans Diablo 2, tu joues toujours avec la minimap enclochée. Moi, je joue toujours avec la minimap. Ouais, je joue toujours avec le tab, la minimap, ouais. L'overworld. J'aimais beaucoup. Ça, c'est un peu dommage qu'ils l'ont enlevé. Ouais. Bon, c'est un choix qu'ils ont pris. Hein. Ouais, elle est en haut, donc c'est pas trop grave. Ouais, voilà. Mais bon, c'est vrai que parfois, quand tu joues, t'as pas le même champ de vision que quand tu regardes une vidéo, par exemple. Donc, parfois, c'est peut-être un peu embêtant. Mais bon, c'est un coup à prendre. Hein. C'est des choix qu'ils ont fait. C'est pas à critiquer, je pense. Oui, comme le choix où on a parlé du... des compétences ou Oui. Bah vu que toi t'as joué à WoW, tu peux l'expliquer hein. ça augmente tout automatiquement, donc on choisit plus qu'on veut monter. Oh, oui, j'ai eu peur. Voilà. J'ai eu peur. On tombe. Attends, là je tombe. Ah, on est dans la cathédrale. Oh, mais il tombe, mais il a des ailes et il peut pas voler. Ah non, mais ça c'est... Du coup je reste dans le coin, tu vois, ça me saoule. Non, je vais peut-être parler un tout petit peu des compétences quand même, parce que ça peut être pas mal. Oh, j'ai eu un nouveau sort, j'avais pas vu. Alors les compétences, ça marche comment? Donc vous avez des stats qu'avant on pouvait mettre, mais maintenant on ne peut plus dans Diablo 3, donc ça se fait tout automatiquement. On a donc 6 compétences et 3 passifs, donc au total ça en fait 9. Sachant que... on peut mettre un peu ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on peut mettre si on veut peut-être jouer avec 6 compétences défensives, on peut jouer avec 6 compétences défensives. Ça ne sert pas à grand-chose, mais bon. Le jeu est plus riche comme ça. Ah bah oui. Qu'est-ce que je peux faire? Oh, ça a l'air d'être stylé, ça. Qu'est-ce que t'as fait? Tu te transformes en Super Saiyan. Hey, y a un gars qui a perdu ses pieds là-bas. Oh mon dieu, plein de chauves-souris. Il a perdu ses Pagan pieds. Ça, exactement. Regarde, je peux faire ça. Boum. Ça fait un truc par terre, je sais pas, vous frappez le mais sol. Mais t'étais en train de parler là, t'es parti totalement en vrille. Mais je suis totalement parti dans le déni. Le gars il a 69 HP. Ah oui. Oh mon dieu, je lui envoie des fléchettes. On lui donne des mains pour la toucher. Ah, il faut tuer ces petits trucs. C'est les petits vers de terre. Exactement. Bon, au début, ils font pas de gros dégâts quand ils explosent. Non, ils font pas de gros dégâts. Bon, après, ça se corse un petit peu quand même vers l'acte 3 et 4. En normal, ça commence déjà un peu à t'appeler un peu plus fort. Un petit peu compliqué. On va dire. C'est gentil quand même. Le monde normal, c'est gentil. Je reviens juste sur les compétences. Donc, ça veut dire que maintenant, on n'a pas un arbre défini comme dans Diablo 2. Et que dans Diablo 2, si vous faisiez un personnage, une sauce givre, vous ne pouvez plus jamais. Enfin, vous avez droit à une fois de changer les compétences, mais c'est tout. Ah, il y a plein de monde, Pagan. Je mets les pieds, je mets les chiens aussi. Ouf. Ah oui. Oh, mais ah oui, tous les chiens, ça c'est génial. C'est pas mal, toutou. Ouais, ça fait assez mal. En plus, ça tanque assez bien. Enfin, moi, je me prends des gros satanes, là. Voilà, un coup de marteau dans leur tête. Voilà, t'as fait... T'as fait ton boulot. J'ai joué le barbare. J'ai fait du roleplay barbare. J'ai une super masse qui fait un dégât. Oh, bah du coup, je vais la prendre. Voilà, tu vas la vendre. Je vais la vendre au PNJ. Oh, donc je reviens sur ce système. J'ai détruit mon meuble Ikea. Ah non, qu'est-ce que tu fais? Je l'ai fini. Il souffrait en silence, ce meuble. Je le voyais avec sa petite arme. Tu le voyais, il était comme ça. Détruis-moi. Pense à mes amis. On était aux compétences, que tout était généré automatiquement. Donc,
On peut donc changer ses arbres de compétences, ça veut dire que son perso, on peut jouer comme on veut, à tout moment on peut changer ses armes. Sachant que si on les change en combat, il y a un délai de récupération, donc ça évite de changer tout et n'importe comment à la fois. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant on a besoin que d'une classe pour pouvoir jouer pleinement au jeu, et on n'a plus besoin de se retaper la phase d'expérience, de stuff, etc., etc. Donc ça c'est plutôt cool, c'est un bon choix. Et vu qu'au final, il y a quand même beaucoup de compétences par branche, par exemple, je crois qu'il y en a 4 à 5 par truc, donc ça fait quand même un bon panel de compétences au final à utiliser. Oui, oui, parce qu'après, tu peux faire des combos. Après, bon, bien sûr, on peut jouer à deux, ce qui permet de faire des stratégies. Genre, par exemple, moi, je suis féticheur, donc je suis plus à distance. Toi, t'es un gros barbare. Un gros cac. Un gros cake, tu vas encaisser le maximum de dégâts, et moi je vais envoyer des chiens, des zombies sur Léa et tout ça. Et aussi, quelque chose qui a disparu dans Diablo 3, c'est les potions de mana. Oui. Qui étaient très utiles dans Diablo 2. Hein. Donc là, je n'ai pas assez de mana. Bon, là, il le dit aussi. C'est vrai que toi, tu as la mana. Oui, moi, j'ai la mana parce que je suis... Mais maintenant, c'est classé différemment en fonction des classes. Alors, chaque classe, voilà, a sa ressource, sa ressource, mais bon, disons que c'est du mana. Oui, voilà. En gros, c'est du mana, sachant que ça se recharge plus ou moins vite. Et ça a par exemple, pour ceux qui connaissent un peu WoW, pour le barbare, c'est une jauge qui se remplit par rapport à votre coup, en fait. Donc, ça veut dire que plus vous tapez, plus la jauge se remplit. Pour donner des attaques un peu plus puissantes. Et il y a un mec qui agonise, je lui ai mis un gros coup de marteau. Tu l'as achevé. Eh, mais mes chiens sont vraiment balèzes, quoi. Ah oui, c'est super puissant. C'est super puissant. Il y a beaucoup de techniques assez marrantes avec le féticheur, je pense qu'on verra ça plus tard. Ouais, je pense aussi. Comme le lancer d'araignée qui est pas mal. Mais pour l'instant, je garde mes merdes vertes. Les araignées. Mes suppositoires verts. Parce que je suis médecin. ça se voit totalement. Hein. Totalement. Il est totalement toujours en train de me soigner en m'envoyant des piqûres bizarres. je t'envoie des piqûres dans les fesses. C'est le Tour de France. Hein. Donc, si les gens... dites-le dans les commentaires si vous aimez les piqûres. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait établir un dialogue avec les abonnés. Ben, bien sûr. Tout à fait. Bon, n'hésitez pas bien sûr à nous proposer des suggestions si vous voulez voir des choses, etc. Moi, je lirai également les commentaires parce que ce n'est pas sur ma chaîne, mais je lirai assidûment à sous. Bref, je lirai. En espérant que ton public regarde aussi ce let's play. Oui, ça fera un let's play de plus. Bah oui. Mais après, totalement, c'est moi qui touche les revenus, tu vois. on sent le déni là. Ah oui, totalement. Donc je te verserai 15% de ce que je toucherai, hein, donc un malabar. Un malabar et moi je toucherai le carambar. Bon, au bigou alors. Voilà. au pire, je t'achèterai un kebab. Oh là, j'ai pas mal de trucs. C'est un peu de l'arnaque quand même, vu que t'es un Captain Kebab, je me sens un peu arnaqué quand même. J'ai gagné des chaussures. Tiens, je te pique. Donc, petite particularité, c'est que au fur et à mesure de l'aventure, on rencontre des champions ou des troupes d'élite qui sont toujours par 3 ou 1 avec les gars en or. Des fois, ils sont un peu plus. Ça m'est arrivé de... Ouais, il y a les hordes, oui, exactement. Ça m'est arrivé d'avoir des hordes de plein de choses qui font assez bobo. Qui te foncent dessus. Qui me foncent dessus. Et donc, ces ennemis-là, relâchent, on va utiliser les termes simplifiés, relâchent des choses assez intéressantes qui nous permettent d'étoffer notre joli personnage. J'ai des gants magiques. Augmente la vitesse. Moi, j'ai des brassards. Attends, mais Eryusa, j'ai une collection de jambières. Alors... Dis-moi laquelle tu veux, je te les vends. Donc voilà, collection de jambières étoffées. Donc voilà. C'est quoi toutes ces jambières, quoi? Des jambières. Donc bien entendu, on peut s'échanger les items. C'est le... Ouais. Bon, c'était déjà présent dans les autres épisodes. Mais c'est plus... Et il y a un hôtel des ventes aussi. C'est beaucoup plus mis en avant dans le troisième épisode parce qu'on peut jouer jusqu'à 4. Et oui, ensemble. Avant on pouvait un peu plus. Mais bon... Ça a été un peu. C'était un peu le n'importe quoi. Ça aurait été le bordel. Oui, voilà. Ça aurait été le bordel. Peut-être plus tard avec les extensions, s'il y a plus de classes, peut-être. Pourquoi pas. Je pense que Blizzard a ça en tête d'augmenter le nombre de joueurs.
Ça ne m'étonnerait pas. Où es-tu, Pigun? J'étais en train de changer d'arme. J'ai une arbalète. Je vais faire tomber un chandelier sur toi, voilà. Voilà, un chandelier Ikea. Et je le traverse. On est sponsorisé par Ikea dans ce let's play, c'est n'importe quoi. Alors, regarde, mon féticheur balance ses flèches vertes à partir de l'arc. C'est totalement réaliste. Ça me semble parfait. Ah, j'ai mis un harnais de combat. Ah, mais tu vois, tu commences à prendre des habits. Parce que après, non, on dirait la bien entendu. S'amuse, mon barbare, en fait. Oh là là, tu t'es transformé en Super Saiyan. Ah oui. Ah, j'ai des nouveaux trucs, c'est déchirure. Déchirure, ah, moi, je vais remettre moi. Vous portez un coup tournoyant. On va mettre le coup tournoyant. Alors, on va peut-être avancer un petit peu. Ouais, il y a la porte. On va pas aller se couvrir là-bas. Je pense qu'il y aura des monstres. On va directement descendre. On va directement aller. Ça serait mieux qu'on se finisse sur le sauvetage de Deckard Cain. Ouais, le sauvetage de Deckard Cain. Et on conclura. Merde. Mais pourquoi tu vas en bas? Tu voulais partir. Il fallait en bas. Mais oui, mais il faut passer de l'autre côté. Mec. Il est où l'escalier? Bah en haut. Faut monter. T'es sûr qu'il est pas à gauche là? Mais non, il est à gauche là. Oui, mais il faut aller. Donc là. On va pas l'extérieur. Bon, du coup, je pète les chaises Ikea. Attends. Bah, les zombies là. Ils ont faim, ils ont envie de manger des. Des petits enfants. Oh mon dieu, il y a Michael Jackson qui arrive. Non, mais je sens que ce let's play sur Diablo 3 sera totalement fou. Alors, événement, le couloir effondré. Donc voilà, on va commencer. On va sauver des carquets, on va se quitter. Sur... On va le voir un peu ce qu'il nous raconte. On va voir ce qu'il nous raconte. Le monde vermine. J'ai peur. Moi aussi. Ah! Ça c'est un peu dommage. Ça c'est... Mon dieu. C'est John Skelet? C'est John Skelet. C'est Captain Skelet. Donc bien entendu, Deckard Cain c'est... C'est le dernier des Oradrim. Oui. Donc avec le cube d'Oradrim dans le 2. Dans le 2. Qui vous permettait de faire des potions, des gemmes et plein de trucs encore. Donc on va aller sauver notre monsieur Deckard. Notre ami. Je pourrais essayer ma nouvelle attaque. Nouvelle attaque. Ouais, c'est quoi cette nouvelle attaque totalement nulle? Je veux réessayer ma nouvelle attaque. Ah voilà, oh, et là il y a le premier boss. Compétences actives débloquées. Chauve-souris. Ah, des chauves-souris. Ah oui. Ah, meurs. Meurs, grand fou. Meurs. Donc vous voyez, les ennemis en or, c'est des ennemis qui loupent pas mal d'équipements assez intéressants et qui sont assez chiants à tuer. Résistants et qui ont des compétences spéciales, contrairement à... et qui en ont plusieurs surtout. Au fur des actes, au fur des niveaux de difficulté. Hein, voilà, à chaque acte en fait on gagne un... Enfin, chaque acte, les bleus gagnent une compétence supplémentaire, donc... Quand vous arrivez en Armageddon, ils en ont 4 spéciales avec un S. Qui fait assez bobo hein, quand ils utilisent tout en même temps. Il y a des combos qui sont complètement impossibles pour certaines classes. Je pense que Blizzard devrait un petit peu nerf ce genre de truc. Stouk. Bon, Deckard est sauvé. Donc, on va peut-être. Nous avons sauvé Deckard Cain. Oh oui. Oh, on va peut-être aller lui parler un petit peu. Lui parler et lui mettre un petit. Ah, il y a une petite cinématique. J'ai tenu ma promesse et sauvé Cain, l'oncle de Léa. Il était dans les griffes du roi squelette, qui m'empêche encore d'atteindre l'étoile. Un squelette. J'ai eu peur, mec. T'as eu peur de moi? Tu me fasses une piqûre. Je vais te faire une piqûre, attends, t'es où? Ah, là. Là, attends, je retourne. Dans mes ailes. Là. Fais une piqûre. Ah, oh, j'ai une piqûre. Alors, dans mes ailes. Là, il y a Léa. Je mets les zombies et, ils sont tous ensemble. On va lui parler pour avoir le point de sauvegarde. Parce que sinon, ça veut dire qu'on va se retaper ça la prochaine fois. Stouk. Alors, le temps presse. L'étoile. Ça parle de Star Wars, je crois. Oui, la guerre des étoiles. Mon dieu, des Starship Troopers. Ah, oui. Ah oui, Starship Troopers, c'était un bon film, hein, j'ai vraiment aimé. Ah oui, c'était excellent quand même. Hop. Donc mais voilà. Bah voilà. Bon, on aura fait pas mal de trucs. Ah, on aura dit pas mal de choses pour ce premier épisode, qui aura duré une trentaine de minutes. On aura présenté un peu la chose. Donc Bon, bah voilà, parfaitement, bah parfait, parfait. Donc attends, il y a un gars qui vend Front Noir. Level 59, ok, bah je peux pas, hein, je peux pas l'acheter. Hein. Je suis level 5. Si c'est comme ça, je tape dans mon coffre. Hein, tu tapes dans ton coffre. Moi aussi, alors. On boude. Allez,
tape dans ton coffre. Vas-y, fais-toi le fou. J'ai plein de choses, mais je peux pas. Bah oui, je on a les pas. Trucs de mec qui pense que c'est un coffre partagé. Eh oui. Bon. Donc voilà, j'espère sincèrement que vous avez apprécié ce premier épisode tant attendu du Let's Play de Diablo 3. Et je pense qu'on va bien réguler tout au long de cette aventure Diablo diabolique. Et moi, je te pique le ventre. Parce que... Bah, du coup, je te fais ça, tu vois. Moi, je te marche dessus. Donc moi, je te vois. Donc on se retrouve, la semaine prochaine en soirée pour le deuxième épisode. Et... pour continuer l'aventure de Diablo 3. Iryusa, je suis heureux de faire cette aventure avec toi. Moi aussi. Du coup, on fait tourner les ailes comme des papillons. On fait tourner les ailes comme des papillons de lumière. Allez, ciao tout le monde et à la prochaine.